quoi. Il y a M6 qui tourne. Putain, je suis peut-être passé sur M6, les gars. Bah quoi, on peut rêver, bordel. Putain, je vais perdre mon portefeuille. Bon, j'espère qu'on me verra bien. J'ai changé la caméra de vue. Donc là, j'ai deux visions maintenant, grâce à la nouvelle GoPro. Ben, j'espère que vous me verrez bien. J'espère qu'on me verra bien, qu'on me verra pas trop près. Alors, je sais pas trop où la mettre. Là, je l'ai mis sur le carénage. Donc, j'espère que vous me verrez bien. J'essaie de varier un petit peu les angles de vue. Alors, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà, ça m'a coûté quand même 130, 140 balles, la petite histoire. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. J'espère qu'elle va bien rester en place parce que j'ai un petit peu peur. Elle est vraiment sur le dessus du carénage, à peu près au niveau d'un rétro, sauf que là c'est pas un rétro, c'est quand même une GoPro, ça pèse peut-être un peu plus lourd, j'en sais rien. Donc j'ai serré les vis au maximum, j'espère juste que, voilà, que je vais pas la paumer, qu'elle va pas se désolidariser de sa pâte adhésive. Donc on verra bien, les amis, hein. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, bon voilà, nouvelle prise de vue, je suis content, j'espère que ça va être sympa, j'espère que ça va rendre bien. Si vous kiffez la nouvelle prise de vue, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu donc en bas de la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais non, c'est quoi cette bagnole là? Oh, le délire! Mais non! Mais c'est quoi ces trucs what the fuck que je vois en ce moment? C'est abusé! Elle est géniale, sa bagnole! Putain! Trop cool! Ah bah alors le petit chat. Oh le petit chat. Putain, il est au calme. En train de faire ses griffes sur l'Audi. Meuf là, elle avait peur. Hein? Elle a eu peur en fait. Mais il s'est passé quoi en fait? En gros, apparemment le motard il a fait un tout droit, sauf que c'était tout droit dans la voiture. Et de ce que j'ai compris, la voiture s'est pris la moto. Voilà, la voiture est tombée comme ça, la moto elle arrivait comme ça. Ouais. Et elle me disait, ouais, moi j'ai ma gamine qui a la tête explosée, merci la tumeur et tout. Merci d'en. Ouais, c'est chaud, mais la voiture elle avait l'air d'avoir rien à part le rétro. Ouais, j'ai regardé devant, elle avait rien à la caisse. Hein. Non, moto, moi. Le gars ici, c'est les deux motos qui étaient garées. Les deux motos garées à gauche. Oh. Ah, les deux motos, les deux Z qu'on a vu juste avant là. Si ça allait, ouais. Et les deux Z qu'on a vu avant là. Il y en avait un qui puissait lui. Elle a commencé à me prendre la tête alors que je lui demande juste si elle a bien fait tout ce qu'il fallait, s'il n'avait pas besoin d'aide. Ouais, elle était en panique. Ouais, mais en même temps, elle a eu peur pour sa fille, je pense. Elle était en état de choc, je pense. Ah, mon gars, mais elle gueulait de ouf. Même moi, j'entendais ce qu'elle disait, mais j'entendais pas ce que toi tu disais, ce que tu l'avais demandé. Ça, j'ai dit, mais tu lui as dit quoi pour qu'elle se vénère comme ça, tu vois? Juste demander si ça allait. Ouais. Elle a appelé les pompiers. Et on aurait dit que c'était de ta faute, tu vois. Genre, ouais, en fait, elle m'a assimilé à son. Ouais.
Elle a pris pour lui. Ah ouais. Elle a dit, c'est encore un connard de motard là. Non, moi je viens juste pour savoir si tout va bien. Parce que si tu demandes pas, c'est non-assistance à personne en danger. C'est tout. Ah bah. Touriste. Si je passe à côté, je suis. Mais il devrait se garer autre part parce que là, mon gars, c'était hyper dangereux en plein virage. Ouais, surtout que sa caisse, elle a rien, elle peut se barrer et aller autre part, tu vois. Ah merci, c'est gentil, merci. Merci. C'est quoi ça comme bagnole? Alors là, c'est vieux, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Si vous avez la réponse, les amis, j'aimerais bien savoir de quelle modèle il s'agit parce que là, j'en ai aucune idée. On dirait une voiture des années, je dirais 70 après. 60, 70, 80, je pense pas, mais au moins 60, 70. Après, ouais, je sais pas. Ouais, européenne, je pense. Mais la marque, je ne saurais pas vous dire. Si vous avez la réponse, bah dites-le moi dans les commentaires. Je serais bien curieux de savoir de quelle marque et de quel modèle il s'agit. Merci. Attends, il a ses valises qui sont ouvertes.